Bonjour! Hello tout le monde, bienvenue à ce live Keep Cool! Bonjour, bonjour! Aujourd'hui, on va travailler sur le centre du corps, un full abdo d'environ 25 à 30 minutes pour renforcer tout le centre du corps. Donc bienvenue à tous, prenez le temps de vous installer. Pour aujourd'hui, vous avez besoin uniquement d'un tapis si vous en avez un. On va tout travailler au sol. Allez, installez-vous, vous avez encore une petite minute. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme et que vous avez bien travaillé cette semaine. En tout cas, j'espère que vous avez participé à tous les Live Keep Cool. Du coup, vous devez avoir quelques courbatures. Si c'est pas le cas, c'est pas grave, vous pouvez vous rattraper aujourd'hui, donc ce midi avec un full abdo. Et à 18h30, vous allez retrouver Caro aussi avec un full abdo. Voilà. Bonjour, bonjour. Demain, pas de live, samedi, repos. Et ce sera de retour dimanche. Et toute la semaine prochaine, bien évidemment, on vous accompagne pour vous mettre en forme pendant cette période. Bonjour! N'hésitez pas à mettre des pouces, des cœurs pour me dire que tout va bien, que vous entendez bien, que vous voyez bien. Vous avez juste besoin d'un tapis pour aujourd'hui, je l'ai installé derrière. Vous pouvez même faire ce live pieds nus si vous voulez, puisqu'on va renforcer uniquement le centre du corps, donc il n'y aura rien debout, rien avec des impacts, ça va uniquement se passer au sol. Demain, il n'y a pas le circuit complet avec Caroline. Alors peut-être, je vous ai peut-être dit une bêtise, il faut que je regarde le planning, pardon, j'avoue, demain c'est samedi, ouais il me semble. Vous avez le planning sur la page Keep Cool avec toutes les informations. J'avoue, je ne connais pas par cœur le planning, je me suis un petit peu égarée. Mais en tout cas, ce soir, c'est sûr qu'à 18h30, vous avez aussi un full abdo. Et la semaine prochaine, on recommence avec des lives le midi et le soir. Rappelez-vous que vous avez aussi le lien de l'application Keep Cool dans la description de ce live, sur lequel vous pouvez retrouver les programmes à la maison. Ce live, vous pouvez le partager, vous pouvez également le refaire si vous voulez ce week-end ou la semaine prochaine. Donc n'hésitez pas. Il y a bien circuit complet samedi. Merci Stéphane. Stéphane est bien plus au courant que moi. Oh, sur le planning, pardon, je suis désolée, je vous dis n'importe quoi. Moi, je me suis emballée, c'est le week-end, je me suis dit qu'il n'y avait rien, mais en fait pas du tout. Hello, hello. Allez, on va démarrer dans pas longtemps. Installez-vous sur votre tapis, moi je vais m'occuper de monter un peu le son. Maintenant que je vous ai dit toutes les bêtises possibles pour ce week-end. Allez, on y va. On va commencer en position planche. Hop. Je pense qu'au niveau du son, on est bon. Et venez avec moi. Allez, on va débuter sur les mains. Les mains sous les épaules. Les genoux loin derrière. On aspire le nombril avec le dos bien droit. Si tout va bien dans cette position, vous tendez les jambes pour venir en position planche. Allez, on commence à réchauffer le centre du corps. À réchauffer nos épaules. On aspire le nombril, on contracte les fessiers, on contracte les cuisses. Et rappelez-vous qu'à chaque fois qu'on sera en position planche, vous pourrez vous installer sur les genoux si c'est trop intense pour aujourd'hui. Inspirez. Et si vous êtes sur les orteils avec moi, regardez ça. On pose un genou et on tend la jambe. L'autre genou et on tend la jambe. Un et deux. Alors, lorsque le genou vient toucher le sol, les hanches ne bougent pas, elles restent au même niveau. Si vous êtes déjà sur les genoux, regardez, vous faites le mouvement inverse. On tend une jambe, puis l'autre. Ouais, vous avez choisi votre option ? Bien, restez ici. On allonge le dos, on respire. Et vous allez passer sur les coudes. Pareil, soit jambes tendues, soit genou au sol. Contractez les abdos, les fessiers, allongez le dos, le regard est sur vos poings. On commence tranquillement. Encore quelques secondes. Allez, résistez. 4, 3, 2, on relâche. Posez les genoux. Posez les fesses sur les talons. Allongez les bras devant.
récupérer un peu. Demi-tour, on s'installe sur le dos. Je pense que vous êtes prêts à travailler. Attrapez vos jambes, déroulez, installez-vous. Les genoux juste au-dessus de vos hanches, les bras au sol, regardez. Crunch inversé. Vous enroulez le bassin pour amener les cuisses vers le buste et vous replacez ensuite les genoux au-dessus des hanches. En haut, en bas. Un mouvement lent et contrôlé. Ici, on aspire le nombril et on veille à ce que le bas du dos reste proche du sol lorsque vous ramenez vos jambes vers l'avant. Ici, on garde le bas du dos vers le sol en aspirant le nombril. Si ça se décolle trop, qu'est-ce que vous faites? Et bien, vous avancez un tout petit peu moins vos jambes. Vous gardez les genoux un peu plus proches de votre visage pour moins charger la partie basse du centre du corps. Bien, on continue comme ça en contrôlant. Là, on active vraiment toute la partie basse du centre du corps. On le fait encore deux fois. Une dernière fois, vous gardez les genoux au-dessus de vos hanches. Restez ici, on allonge une jambe, puis l'autre. Tendez une jambe dans la diagonale et ramenez. Super. Plus vous allez descendre la jambe, plus ce sera difficile, encore une fois, pour cette partie basse du centre du corps. Si ça tire trop dans le bas du dos, alors allez chercher un peu plus haut, ok? Si tout va bien, vous venez avec moi un peu plus bas. Toujours le nombril aspiré, beaucoup de contrôle. On inspire et on souffle. Vous allez voir, ça va très vite commencer à piquer au niveau des abdos. Encore deux fois. Et on attaque une combinaison, une fois de chaque côté. Regardez, on allonge, on plie. J'allonge, j'allonge, je plie, je plie. Donc on se retrouve avec les deux jambes tendues vers l'avant. Encore plus d'intensité sur le centre du corps. Et si vous êtes à l'aise, vous faites quoi? Vous descendez les pieds un peu plus bas. Et au contraire, si ça tire dans le bas du dos, vous levez plutôt en direction du plafond. Vous avez le choix. Une dernière fois. Ok, on reprend. Crunch inversé. On décolle les fesses. On amène les cuisses vers le buste et on replace. En haut, en bas. Maîtrisez votre mouvement, travaillez lentement. Il commence à faire chaud. Encore deux fois. Une dernière fois. Bien, restez ici. Posez les pieds au sol. Laissez glisser les mains sur les cuisses. Et venez toucher vos genoux en décollant très légèrement les épaules du sol. Le regard est au-dessus de vos genoux. On aspire le nombril. On serre la taille. Restez quelques secondes encore. Allez, notre objectif, c'est vraiment d'aller toucher nos genoux. Hein. Continuez ça.
4, 3, 2, et relâchez. Ok, on récupère un peu, placez les talons au sol, levez les hanches, contractez les fessiers. Ça, c'est simplement pour relâcher un peu le centre. On active la chaîne postérieure. Déroulez, revenez. Ok, on se replace. Les genoux au-dessus des hanches, cette fois-ci. On pousse les talons vers le plafond en décollant le coccyx, lentement. On lève, on pousse et on replace. Allongez vos jambes. Poussez les talons vers le plafond. Et maintenant, vous allez au rythme que vous voulez. Ça peut être le rythme de la musique ou plus lent. À chaque fois, vous replacez bien vos genoux au-dessus des hanches et vos tibias parallèles au sol. On souffle et on inspire. C'est un tout petit mouvement. On continue ça ? Ça pique déjà. Je ne sais pas ce que vous avez fait hier comme entraînement. Moi, en tout cas, je me suis entraînée sur les abdos. Et là, je vous avoue que ça tire un peu. Encore deux fois. Dernier. Relâchez. Placez les mains sur les cuisses. On remonte. Le regard juste au-dessus des genoux. Les épaules décollées. Allez, vous avez fait la moitié du cours. Respirez, soufflez, montez. On reste statique ici. Si ça tire dans la nuque, quelle est votre solution? La première, c'est relâcher. La deuxième, ça peut être de placer vos mains au niveau de vos omoplates pour appuyer votre tête sur vos bras. Ça, c'est possible. Allez, on reste encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, relâchez les bras le long du corps. On va repartir sur un travail des obliques. On a fait les cross-crawls tout à l'heure. Cette fois-ci, vous allez décoller légèrement les épaules du sol ainsi que les omoplates et venir basculer d'un côté et de l'autre en touchant à chaque fois vos talons. Droite et gauche. Droite et gauche. Le regard reste vers le plafond. Et vous soufflez à chaque fois que vous inclinez. On souffle, on souffle. Pareil, comme tout à l'heure, si ça tire un peu dans la nuque, aucun souci. Vous pouvez relâcher quelques secondes et revenir quand ça va mieux. On laisse glisser les omoplates au sol pour venir d'un côté et de l'autre. Activez la taille. Des hanches, on va reprendre crunch inversé et on revient. Alors cette fois-ci, on va augmenter un peu l'amplitude du mouvement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vos cuisses vont toujours venir vers votre buste et que si vous vous sentez à l'aise, vous pouvez rapprocher les pieds du sol. La seule condition, c'est que le bas du dos reste vraiment proche du sol. On monte, on descend, un travail lent et contrôlé, toujours, pour un maximum de résultats. Une dernière fois, on replace les genoux au-dessus des hanches, on allonge une jambe puis l'autre. Une jambe pliée, l'autre. Fixez bien le bassin, allongez et descendez le pied là où vous le pouvez, encore une fois, en contrôlant le bas du dos. Soufflez en allongeant. Vous avez ce mouvement? Bien, vous allez placer les mains au temple, coude ouvert, et en même temps, on lève le buste et on tourne vers la cuisse. On souffle, on monte. À tout moment, si ça devient difficile, vous pouvez faire ça. Hein. On tape les orteils dans le sol. L'important, c'est ce qui va se passer au niveau de la taille.
ce que vous ressentez. On accélère. 1, 2. 1, 2. Celui-ci ou celui-là. On garde les hanches bien fixes. Et on garde ça pendant 30 secondes. C'est parti. Gardez les coudes ouverts. Placez le regard à l'extérieur du genou à chaque fois. On a fait la moitié, accrochez-vous, 15 secondes. Si tout va bien, on essaie celui-ci, jambes tendues. 8, 4, 3, 2, relâchez. Pieds au sol, levez les hanches. Ouh, on relâche un peu. Allez, on va changer un peu. Vous allez vous installer sur le côté du corps. Allez. Alors, ici, on est en appui sur une fesse. Vous allez placer votre bras au sol et faire en sorte que vous puissiez vous aider de votre coude pour vous relever. Au niveau des jambes, les deux jambes tendues, pied contre pied, main à la tempe, regardez. Je vous montre le mouvement pour l'instant. On est en appui sur une fesse. Vous allez regrouper. Buste vers les cuisses et inversement. La main ici vient toucher notre pied. On essaie ensemble. En haut, en haut, en bas, en bas. Alors, si pour aujourd'hui ça c'est un peu compliqué, vous posez le pied du dessous au sol et vous bougez uniquement la jambe du dessus. Venez avec moi, essayez. On ramène le genou vers le nez. On garde la poitrine très haute. Et on va accélérer un peu le tempo, plus rapide. On y va. En haut, en bas. En haut, en bas. Allez, on essaie de bouger sur la musique. Soufflez, inspirez. On reprend lentement. En haut, en haut, en bas, en bas. Allez, deuxième tour. Avec les deux jambes si vous le pouvez. Sinon, vous restez sur une seule jambe. Pas de souci. L'important, c'est de vraiment ramener les genoux vers le visage. On lève les genoux. Allez, on accélère. Rapide, c'est parti. Haut, bas. Haut, bas. Trois petits en haut. Un, deux, trois. Et on allonge. Allez, rappelez-vous, ça c'est aussi possible. Encore quatre fois. On reste sur trois pulses là-haut. Touchez les pieds et revenez. Deux fois. Et relâchez. Yes, demi-tour. On change de côté. Normalement, ça tire un peu. Allez, on se replace. Donc, en appui sur une fesse, en appui sur votre coude ici. On pose l'épaule au sol, on allonge les deux jambes. D'abord, je vous montre. Allez, trouvez la bonne position pour bien pousser dans le coude. On pose l'épaule à chaque fois au sol. Et cette fois-ci, on y va ensemble. On le fait 8 fois. Soufflez bien en venant toucher votre talon. On garde encore le sourire. On essaie. Je vous montre, je vous rappelle l'option. Une seule jambe. Vous êtes prêts à accélérer ? Allez, c'est parti, rapide. En haut, en bas. En haut, en bas. Soufflez, inspirez. Et on repart. Lent. En haut, en haut, en bas, en bas. Oui, ça tire au niveau de la taille. Vos obliques travaillent. On sculpte. N'oubliez pas de lever les genoux.
4 de plus. Et vous avez remarqué, quand c'est lent, c'est pire. On accélère, c'est parti. Allez, accrochez-vous, c'est la dernière ligne droite. Il en reste 4. Et après, vous savez quoi? Il y a les 3 petits. Dernier, 3 petits là-haut. 1, 2, 3, on est en bas. Est-ce que vous touchez toujours votre talon? Ouais. Dernier. Et relâchez. Ouh. Super. Récupérez un peu. Il reste une dernière ligne droite. Le travail en position planche. Vous allez adorer. Allez, prenez le temps de boire si vous le souhaitez. Aucun problème. Et on va s'installer sur les coudes cette fois-ci. Donc les coudes sont sous les épaules. Vous allez reculer vos genoux et avancer vos hanches. Allez, pour l'instant, vous allongez le dos. Vous regardez au niveau des poings. On aspire le nombril. On descend légèrement les hanches sans cambrer au niveau du dos. Soit vous restez là, soit vous tendez vos jambes. Les pieds sont largeur de hanche pour la stabilité. Respirez. Et vous allez taper. Pieds sur le côté, on tape et on ferme. L'autre. Tape et ferme. Tape et ferme. Si vous êtes sur les genoux, c'est la même chose. On allonge la jambe, on tape sur le côté et on ferme. Choisissez votre travail pour aujourd'hui. Respirez. Vous êtes toujours là? On essaie celui-là. Contractez les fessiers pour stabiliser les hanches. Aspirez toujours le nombril. Ok, encore une fois de chaque côté. Quand la musique va partir, on monte sur les mains. Climber, c'est parti. On ramène les genoux vers la poitrine. Alors, lent ou rapide, au choix. C'est vous qui décidez. En tous les cas, ça fonctionne. Le rapide sera plus cardio. Le lent, plus contrôlé. Encore 10 secondes. 4, 3, 2, stop. Posez, récupérez. Alors ça a chauffé dans le centre du corps et je pense que vous avez aussi senti vos épaules. J'ai une bonne nouvelle. On n'a pas terminé. Allez, on se replace sur les genoux cette fois-ci pour tout le monde. Et on appuie sur les coudes. Coudes alignés avec les épaules, dos droit, nombril aspiré. Restez là. On se met bien en place, on charge le centre du corps et regardez la suite. On allonge un bras devant, on ouvre sur le côté et on replace. La même chose de l'autre côté, ça fait devant, côté, j'ai pas la place, et on ramène. Vous l'avez? Alors si vous l'avez, faites ça. Devant, côté, fermé, restez. Devant, côté, fermé, restez. 1, 2, 3, on reste. 1, 2, 3, on reste. Ici, les hanches restent face au sol et le dos bien droit. Si vous avez les murs comme moi, peut-être que vous ne pouvez pas tendre votre bras à fond. C'est pas grave, ça change absolument rien à l'entraînement. Si vous êtes chaud, vous faites quoi? Vous passez sur les orteils, jambes tendues. Là, c'est plus difficile, d'accord? L'objectif, toujours garder les hanches face au sol. On y va. Il reste environ 15 secondes de travail sur ce mouvement. Allez, encore deux fois. Dernier.
Dernière fois de chaque côté. Relâchez. Passez sur les mains. Vous vous rappelez? On ramène les genoux vers la poitrine. Continuez. Hop. Genoux, genoux. Et si vous voulez, vous accélérez. Ou alors, cool. Encore. 4, 3, 2, stop. Posez. Récupérez. Ok, on a bientôt terminé. Il nous reste une seule séquence d'exercice. Et ça va se passer à plat ventre. Pour travailler vos lombaires, vous allez contracter vos fessiers, placer les mains au niveau des tempes, rentrez le menton avec le regard vers le sol. Regardez par ici, on monte le buste et on descend le buste. En haut, en bas. Contractez fort les fessiers pour protéger les lombaires et décollez légèrement les côtes du sol. Si ça pique dans les épaules, on place les doigts au sol et on serre des bras pour monter. En haut, en bas. Allez, chercher un peu l'amplitude avec toujours ce regard vers le sol. Regardez la nuque dans l'alignement de la colonne vertébrale. Dernière fois, on change de timing. Trois petits là-haut. Un, deux, trois, on relâche. Un, deux, trois. On reste en haut et on bloque. Restez ici. Placez vos mains vers l'arrière, les pouces vers le haut et restez là. On serre les omoplates, on tire les épaules vers le bas. Résistez, résistez. Relâchez. Ok, récupérez. Vous allez placer vos mains l'une contre l'autre. Placez votre front sur les mains. Et on va finir avec ça. Encore une fois pour les lombaires et également pour vos fessiers. Petit battement. On décolle les cuisses du sol. Et à partir des hanches, vous faites des petits mouvements. Droite, gauche, droite, gauche. Comme si on nageait. Mais super vite. La même chose avec le buste décollé. Le regard vers le bas, toujours les mains aux tempes. Allez, respirez, soufflez. On contracte les fessiers, on accélère. Ce sont vos dernières secondes de travail. J'ai encore mieux pour vous. Bras tendus derrière, pouce vers le haut. Accélérez. Allez, on tient jusqu'au bout. Jusqu'à ce que la musique s'arrête. Ça, c'est pas gagné parce que ça va durer un certain temps. Allez, 15 secondes. Est-ce que vous arrivez toujours à bouger les jambes? Et relâchez. Ok. Repoussez le sol. Placez vos fesses sur les talons, allongez le dos. Déroulez. Venez avec moi. On va finir avec une minute de planche et après on se dit au revoir. Mettez-vous en place, soit sur les genoux, soit sur les orteils. Ça, c'est votre petit bonus. On y va? Allez, c'est parti. Une minute. On tire les coudes vers les pieds, on enfonce les poings dans le sol. Contractez les fessiers, contractez les cuisses. On a fait 15 secondes. Allongez le dos. Allez, promis après ça, c'est terminé. Vous aurez fait votre entraînement pour la journée et vous serez fiers de vous. Il nous reste 30 secondes. Rappelez-vous, vous pouvez venir sur les genoux si vous sentez que le bas du dos commence à se relâcher ou alors tout simplement si vos épaules souffrent.
Il reste 15 secondes. Si vous avez tenu jusque-là, bravo. Allez, 5 secondes et on relâche tout. 3, 2, 1, stop. Ok, récupérez. Restez au sol. Je baisse juste un peu la musique. Bravo à tous, vous pouvez venir à genoux, simplement ici. Allongez vos bras, étirez le centre du corps. Soufflez, relâchez. Vous pouvez aussi vous installer dans cette pose pour détendre le bas du dos et relâcher vos épaules. Je vous félicite. C'était un cours express sur le centre du corps, full abdo. Vous retrouvez ce soir à 18h30, Caro pour aussi un full abdo. Et regardez bien le planning donc pour ce week-end et la semaine prochaine. Les cours continuent bien évidemment. Je vous félicite, passez à tous une excellente journée. Rappelez-vous que vous avez la description, en description du live, pardon, l'application Keep Cool qui vous permet de retrouver les entraînements à la maison. Faites-moi des pouces, dites-moi que tout va bien, que vous êtes encore là. Passez un bon week-end, nous on se revoit la semaine prochaine. Bye tout le monde! Le tapis qui glisse, un enfer au gainage. Oui, ça je me doute vraiment que c'est l'enfer. Prochaine fois sans tapis. Salut tout le monde!